Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Doc des Docs Et comme annoncé pour la Lambda Aujourd'hui, on va s'attaquer au X-Wing Le X-Wing C'est d'abord Un vaisseau d'Income Corporation C'est le T-65B Il y en a eu d'autres avant on a eu... Enfin, il y en a eu d'autres après Le T-70 de Podemron Le T-75 et le T-80 Mais bon, ceux-là, ils ne sont toujours pas sortis Et on ne va pas en parler C'est un, de... un chasseur Alors il faut comprendre certaines classes. Le X-Wing est un chasseur, le A-Wing est un intercepteur, le Y-Wing est un bombardier et le B-Wing est un bombardier aussi. Alors, l'X-Wing fait 12,5 mètres de long avec un équipage d'un pilote et d'un droïde Astromech. Il est armé de 4 canons laser t menback KX-9 et de 2 lance torpilles à proton Krups MG-7 avec 8 torpilles à l'intérieur. 150 kg en soute une hyperpopulation de classe 1. À la sortie du chasseur Taille, les forces de l'Alliance reposent principalement sur le modèle de chasseur déjà ancien, le Y-Wing. C'est le Y-Wing BTLA4, successeur du Y-Wing BTLB, qui était le plus présent. Et certains z 95 et Hunter, qui sont même encore en service. Il se fait alors sentir un besoin d'un chasseur plus puissant, plus rapide, plus agile, qui pourra prendre le dessus sur les chasseurs impériaux. La défection d'un groupe d'ingénieurs de la société Incom, affilié à l'Empire, permet à l'Alliance de mettre la main sur les plans d'un nouveau chasseur répondant parfaitement à ses besoins, le X-Wing. Le, le X-Wing a d'abord été proposé à l'Empire, mais l'Empire, jugeant qu'il était trop cher, a décidé de prendre plutôt le taille de schneider Field System. D'ailleurs, tous les produits de Sainer Field System, à quelques exceptions près, furent très bon marché. Doté d'un moment puissant, et polyvalent et d'une résistance importante, il devint très vite le meilleur chasseur de supériorité spatiale de l'Alliance. Ces vaisseaux seront par la suite engagés dans toutes les batailles spatiales importantes, Endor, les deux étoiles de la Mort, Yavin, Hoth. On a eu aussi droit à Jakku. Preuve de leur qualité, les x wing resteront la composante principale des forces de l'Alliance pendant de nombreuses années, bien après l'établissement de la Nouvelle République. Donc c'est ce que je disais, il y a eu le T-65R pour effectuer les missions de reconnaissance avec deux capsules bardées de capteurs et de senseurs permettant de recueillir les informations rapides sur n'importe quelle planète ces deux capsules qui peuvent être éjectées en cas d'attaque et récupérées plus tard une fois la menace passée doté d'un armement très réduit il doit être accompagné d'une escorte pour les missions les plus risquées le TX-65 est un vaisseau d'entraînement dont le cockpit modifié peut accueillir un cadet et un instructeur donc en gros on arrive sur la même mécanique qu'un ARC-170 plus grand voilà. Plus grand qu'un chasseur X-Wing standard, il est le meilleur moyen pour les cadets d'apprendre rapidement à piloter un chasseur stellaire. Le T-65BR est développé pendant les années... les premières années de la Nouvelle République pour servir de vaisseau de reconnaissance à long rayon d'action. Les torpilles à protons sont enlevées et sont remplacées par des senseurs longue portée. Le t Le, Il se repose davantage sur le droïde astromechano qui ne s'occupe plus seulement de la navigation, mais aussi de contrôler les détecteurs. Chaque... Chacun est doté d'un système d'autodestruction, se déclenchant automatiquement lorsque le pilote est tué. Cette procédure est utilisée pour assurer qu'aucune information sensible ne soit saisie par l'ennemi lors de missions à risque. On a le AC-4, qui est produit 10 ans après la bataille d'Endor. Sa vitesse améliorée est équivalente à celle de l'intercepteur A-Wing, comme je le disais, tout en conservant la robustesse originale du X-Wing. Il incorpore d'autres améliorations, notamment des systèmes de ciblage, de contrôle de feu et la distribution de l'énergie. Et on en a à la pelle et à la paix. Il y a encore le T65D A1, développé environ 17 ans après la bataille d'Endor, qui se repose plus sur un autre mécano pour gérer la navigation hyperspatiale, mais sur un ordinateur de bord évolué, offrant plus de gains substantiels pour la manœuvrabilité du chasseur. On a aussi le T65C A3 et le XJ. Mais ça, on en parlera plus tard. Enfin, on en parlera, on en parlera un jour si ça sort. C'est des vaisseaux donc qui sont iconiques, qui, sont, qui ont été utilisés par euh, certains des pilotes les plus célèbres de la galaxie comme Biggs Darklighter, euh, l'escadron euh, Red, donc euh, Rogue, l'escadron Rogue, et euh, voilà, et le aussi. Alors, on va présenter d'abord les figurines. Alors Attendez, hop, petite mise au point avec le téléphone. Normalement, voilà. C'est assez basique, c'est des modèles assez. C'est les premiers modèles, hein. donc du coup, c'est normal qu'en fait, les... ben, en fait comme c'est les premières boîtes de, de start qu'il y a eu, bon ben. Ils sont pas non plus extrêmement détaillés, mais ils font le taf, et de loin, bon ben, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Donc là, on a bien les quatre réacteurs. Euh... Les, euh... les canons qui sont là. Le petit escro-mécano qui se trouve juste en haut. Il y a une espèce de, de petite bulle là voilà, c'est l'astromécano, là on a le cockpit. Voilà. Hop. Il n'y a pas franchement quoi dire dessus. Euh, parce que en plus c'est les chasseurs du début ils ne sont pas très détaillés. On va passer directement aux cartes qui sont au nombre aujourd'hui de 5. Donc, hop, hop, petite mise au point. Alors, le X-Wing de base, il coûte 13. Il avance à 3. C'est dans la moyenne de l'alliance. à 5 points de coque, tire 4 dés bleus. C'est pas déconnant. Et contre les vaisseaux, il tire un dés rouge. C'est pas déconnant non plus, je vous expliquerai après. Bombardier. Tant que vous attaquez un vaisseau, chacune de vos icônes critiques ajoute un dégât au dégât totaux et vous pouvez résoudre un défi critique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que... Euh, bon, vous faites vous lancez de dés. Avec votre, votre, votre dé rouge. Si ça fait un critique... Et eh ben ça compte comme un dégât. Donc en gros vous avez deux champs. vous avez plus de chances avec le la touche simple, la double touche. Là on rajoute maintenant le critique, ce qui fait que vous aurez trois fois plus de chances. Enfin ben, moi je dis que c'est trois fois plus de chances d'avoir un, un, bon, un bon tir. Et la escorte. Escorte c'est les escadrons contre lesquels vous êtes engagés ne peuvent pas attaquer. D'escadrons dépourvus du mot clé escorte, à moins d'effectuer une contre-attaque. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, si vous êtes en formation avec par exemple des Y-Wings ou des A-Wings et que vous les faites euh, aller à la même vitesse, ou n'importe quel, quel escadron euh, rebelle, vos ennemis ne pourront pas attaquer les autres escadrons sans d'abord devoir détruire vos, vos X-Wings. Mais ça ne veut pas dire qu'en gros vous avez un qui est là et l'autre qui est au bout de la table. C'est-à-dire qu'en gros vous êtes en formation, donc vous êtes assez, assez serré et que vos X-Wings vont retenir l'ennemi. Et ils ne pourront euh, taper euh, les escadrons qui n'ont pas escort, donc du coup les autres, qu'en faisant une contre-attaque. Donc, donc, ça, c'est celui de base, il coûte 13 points. Celui-là, il est disponible dans euh, le conflit corélien. Donc, c'est pour ça que j'attendais, parce que moi, je voulais les, les, les deux autres cartes qui me manquaient. Donc, à savoir Wedge Gentiles. Non, uh, Big Dark Rider et uh, l'Escadron x -Swing d'escadron rogue, du coup, euh, on a exactement la même valeur, donc 3, 5, 3, avance à 3, 5 de points de coque, euh, tire 4 des bleus et envoie un des rouges, il coûte 14, et il vaut un point de plus, pourquoi Parce qu'à la place d'escorte, il a filou. Alors déjà, on, va, on a bombardé encore une fois, vous connaissez, mais on a filou. Vous pouvez vous déplacer et attaquer durant la phase d'escadron. Pourquoi je dis ça que c'est bien Parce que la phase d'escadron, vous ne pouvez que soit attaquer soit vous déplacer mais vous ne pouvez pas faire les deux alors que là avec Filou on peut se déplacer et attaquer durant la phase d'escadron du coup on peut faire les deux pour 14 points je trouve que l'escadron Rogue est très intéressant mais comme tous les autres escadrons uniques il a, a c'est un escadron unique qui est marqué par un point c'est à dire que vous ne pouvez en aligner qu'un seul comme ça ça va me permettre de, de faire une transition sur un sujet c'est que ça c'est un escadron unique mais sans pion de défense et pourquoi C'est bien, bah parce que c'est un escadron unique qui euh, vous ne pouvez pas limiter. En fait, vous ne pouvez en poser des, des comme ça. Euh, pas, vous pouvez en poser pas mal des comme ça. En fait. Genre vous pouvez, euh, normalement, vous êtes restreint à 6 euh, pions de défense. Donc 3 escadrons uniques dans une, dans, une part, dans, un, dans une partie standard. Alors que là, des comme ça, vous pouvez par exemple en poser les 5. Enfin les 4, du coup vous pouvez poser euh, Escadron rouge, l'escadron gold, euh, l'escadron green et l'escadron dague. Car vous n'êtes pas limité vu qu'il n'y a pas de point de défense. Et pour 14 points, je trouve que le euh, Fidou avec l'escadron rock, c'est très intéressant. Présent dans la boîte de base, le Skywalker, bien sûr. Alors le Skywalker, on a pratiquement les mêmes valeurs en haut, mais on, a on, a, on remplace le dé rouge par un dé noir. Donc on a la, le critique et la touche. Tant que vous attaquez un vaisseau, traitez le défenseur comme s'il n'avait pas de bouclier. Ça veut dire que si vous faites des critiques, eh ben, il va se prendre une carte de dégâts. Il va se prendre le critique et il va, il va devoir résoudre l'effet. Et ça, c'est, ça, c'est génial. Il a bombardé, comme tous les autres, et il a escorte. Il coûte 20 points et a deux pions de consolidation. Luke il est bien, mais c'est l'un des premiers, des premiers qui, va, qui va falloir que vous, si vous l'utilisez, c'est le premier qu'il va falloir protéger, si vous voulez, vous, vous faites, donc au pire, vous vous arrangez pour euh, mettre le champ libre avec quelques escalons euh, de côté, pour les faire traverser, et commencer à taper du, du, du gros, ou alors vous les planquez à côté d'un gros, euh, d'un MC-80, et vous attendez, donc, Luke c'est 20 points, alors ensuite, Wedge Antilles, Wedge Antilles, Pratique, euh, quasiment, et on a toujours les mêmes valeurs. On tape toujours en noir sur les vaisseaux. Il coûte 19, donc un point de moins. On a exactement les deux mêmes pions de, euh, de, euh, de consolidation. On a une valeur qui change sur Wedge. Wedge, c'est tant que vous attaquez un escadron activé, vous pouvez rajouter deux dés bleus à votre réserve d'attaque. C'est-à-dire que j'attaque un taille, il a déjà été activé. D'accord. Eh ben, à la place de mes 4 dés bleus, Maintenant, j'en ai 6, 6 dés bleus. Et lui, il n'est pas déconnant parce qu'il coûte, coûte un point de moins que euh, Luc. Taper en noir, c'est marrant parce que ça permet de faire des critiques. Et en plus, il vous, il vous donne le, le pouvoir d'avoir deux dés de plus. Et ça, vraiment, utilisez-le. Si vous avez un X-Wing, déjà, les, les, le standard est bien. Les trois là comme ça, ils sont très bien aussi, honnêtement. Et là on arrive à Biggs. Alors, Biggs, il fait quoi Eh bien lui, il répartit les dégâts. Il... Donc on repasse en rouge. On a... avance à 3, 5 points de coque, 4 des bleus. Tirant en rouge contre les vaisseaux. Donc un seul des rouge. Avant qu'un escadron allié avec escorte subisse des dégâts au cours d'une attaque. Vous pouvez réduire de 1 les dégâts totaux. Dans ce cas, choisissez un escadron allié à distance 1 avec escorte. Cet escadron subit un dégât. Je vous fais le tableau. Là, j'ai Biggs par exemple. Je me prends un dégât. Ok. Et eh ben, je le demande. Là, j'ai Biggs. Lui, il prend un dégât. Et eh ben, je demande à cet escadron qui se trouve ici de se prendre un dégât. Et ça, pour, pour celui-là, ça fera un dégât de moins. On a toujours bombardier et on a toujours escorte. Il coûte le même prix que Wedge. Je trouve qu'il est un peu moins intéressant quand même. Même s'il permet de réduire, de réduire les dégâts sur un, sur, un, sur un bombardier qui escorte. Enfin, sur un, sur un escadron qui escorte. Donc il permet, il permet déjà de, de, de répartir les dégâts entre, entre les chasseurs. Et il a toujours du coup ses deux pions euh, de, euh, de, euh, de consolidation. Mon build-up, alors, euh, petite euh, petit build rapide. Je trouve que le jouer avec un gros euh, du style MC80, euh, le Starhawk, euh, donc un gros tel, le Starhawk. Euh, les MC80, c'est une bonne chose. Aussi, euh, parce que déjà, le, 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 le grand va permettre. Euh, le Starhawk, déjà, il a, il, a, il a des cartes d'amélioration qui permettent déjà de. De. de, de déjà, il est, il, est, il est costaud. Et surtout, il a des cartes d'amélioration qui permettent de faire relancer du dé au chasseur. Ne pas aussi hésiter à prendre. Euh, ça donc ça c'est la tactique gros et lourd donc du coup un gros. Euh, ne pas hésiter aussi pour par exemple une mode de vaisseau à euh, utiliser des vaisseaux comme la MC35 la MC30. C'est la MC euh, CR90, les nébulombés, euh, même si elles sont un peu faibles sur elles sont beaucoup, vraiment très faibles sur babord et tribord. Euh, et avec du GR75 pour rentabiliser le tout. Parce que les GR75 vont vous relayer, vont relayer vos ordres. Pour, et ce qui fait que ça va être. c'est une très bonne escorte. Pour déjà 75. 60... Pour déjà 75. Euh, les x wing vont être une très bonne escorte. Sinon, pour, une, pour, un, pour la tactique. Et c'est un escadron. Ben prenez. Je vous dirais. Dirai, euh, prenez le Starhawk ou prenez euh, le MC80. Pas le MC80 Liberty. Parce qu'il euh, il souffre. Il ne peut activer que deux escadrons. Alors que le MC80 euh, de commandement ou euh, oui, le MC80 de commandement en active 4. Le euh, Starhawk en, acti en active 4 aussi. Donc du coup, prenez des gros vaisseaux comme ça. Et faites-vous plaisir après sur, sur, euh, sur cela. Mais rappelez-vous, le coût en points de vos escadrons ne, va, ne doit pas dépasser un quart de, de, des points de la flotte. Je pense avoir tout dit, sinon... Eh bien, je vous souhaite, chers pilotes rebelles, de foncer dans l'hyperespace. Foncez à... Foncez. Allez, rentrez dans l'hyperespace. Allez au-dessus de qui carif avec vos X-Wing. Ou alors sur Yavin. Ou sur Endor. Battez l'Empire. Rendez fiers Mon Mothma et tous les généraux et amiraux rebelles. Et puis, prochain indice. Enfin, non, petit teasing du prochain épisode. On va parler de son ennemi juré. Allez, à la prochaine les amiraux et les pilotes.